Par contre, il faut que je vous laisse, il y a une alerte. Donc je vous laisse. Enfin, non, je viens avec vous, en fait, je vous prends. Je vous prends. À Zakar. Voilà, vous avez toute la famille. Hop là, on est dans la chambre forte maintenant. Hop là. Allez, Chantal. Deux petites minutes, on ferme la porte. Hier après-midi, j'ai parlé avec Megan Dreyfus, qui est une entrepreneure, mère de famille à Tel Aviv, et elle nous disait qu'elle devait se cacher dans un abri anti-bombe, et on l'a laissée sur ses propos. On voulait savoir là, comment elle allait aujourd'hui. Alors, on la retrouve toujours à Tel Aviv. Merci d'être avec nous. Bonjour, merci à vous. Comment allez-vous? Bah écoutez, vous avez appelé, on va dire, au mauvais moment. On vient d'avoir une autre sonnerie, donc là, je suis désolée, je m'étais mis un petit peu au calme. Vous m'entendez bien? Oui, on vous entend très bien. Oui, je m'étais mise au calme et on a dû courir dans la chambre forte puisqu'il y a une sirène en ce moment sur Tel Aviv. Donc, il y a toujours des alertes, vous avez toujours des sirènes? Oui, oui, bien sûr, oui. Oh, mais ça, vous savez, on a l'habitude, malheureusement. On en a eu trois, c'est la troisième de la journée aujourd'hui. C'est notre quotidien, malheureusement. On pense aux personnes du Sud qui ont 4 à 5 ou 10 fois plus de sirènes que nous. Mais évidemment, voilà, c'est la situation d'Israël aujourd'hui. Donc, vous êtes dans un abri en ce moment avec les membres de votre famille? C'est ça, voilà. On est cinq. On a mis toute la nourriture, on a fait en sorte d'avoir assez de médicaments, assez de nourriture de bébé, assez de couches, etc. pour pouvoir tenir quelques heures, voire quelques jours. Malheureusement, depuis le message qu'on a reçu hier du gouvernement, on ne sait pas si on va rentrer pour quelques minutes ou si on va rester quelques heures, voire quelques jours. Donc aujourd'hui, on est dans la chambre forte qui se tient dans notre appartement. Donc c'est une chambre classique, sauf qu'elle a des murs qui sont en métal ou en béton, en tout cas c'est très 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 résistant et ça nous permet de résister à une attaque de bombe, des missiles ou une attaque chimique ou des coups de feu. Voilà. Et comment va le moral? Comment vous vous sentez? Bah écoutez, on essaye de garder la face encore une fois devant les enfants. On n'arrête pas de penser à ces otages, on n'arrête pas de penser à ces soldats, on n'arrête pas de penser à ces personnes qui ont perdu la vie, qui ont perdu des gens dans leurs entourages. Le moral, je peux vous dire que il est dans au ras les pâquerettes, mais aujourd'hui, il faut qu'on prenne soin de nous pour pouvoir être sûr de se défendre. On doit se défendre, on n'a pas le choix. Il faut qu'on pense aux gens qui sont autour de nous, aux soldats autour de nous, pour justement être capable de se défendre et être capable de témoigner. On a hâte que cette histoire soit derrière nous pour qu'on puisse en parler, réparer nos blessures et grandir malgré ce traumatisme. Vous parlez de blessures. On entend de plus en plus des familles qui ont été séparées, brisées, des personnes qui ont été kidnappées. Comment vous réagissez là, lorsque vous voyez ça? Parce que je pense qu'avec les réseaux sociaux, entre autres, là, vous avez contact avec les autres. Clairement, alors on a très bien compris que depuis le début, c'était une guerre d'images également qui a été orchestrée par ces terroristes du Hamas. On a très bien compris que le Hamas avait exactement les mêmes moyens de communiquer, de partager et de faire la terreur que Daesh. Le Hamas, c'est Daesh. Le Hamas, c'est ISIS. On voit très bien, on a l'habitude de voir ça. Alors évidemment, ils veulent qu'on partage un maximum de vidéos des otages. Ils veulent qu'on regarde ces vidéos. Ils veulent qu'on parle d'eux parce que ça fait partie de cette guerre d'images. Malheureusement, évidemment qu'on connaît tous quelqu'un qui a été porté disparu ou qui est malheureusement décédé, c'est malheureusement le quotidien des Israéliens aujourd'hui. Et ça déchire le cœur, ces vidéos de personnes qui sont kidnappées, là, qui quittent en pleurant, les mères de famille qui voient leurs enfants, ça déchire le cœur. Ce que je peux vous dire, ce qui déchire le cœur encore plus, c'est les partisans de la cause palestinienne qui vont soutenir. Nous sommes partisans également de la cause palestinienne, mais nous ne sommes pas partisans du terrorisme. Nous ne cautionnons pas le terrorisme et nous ne pouvons pas cautionner ce genre d'acte terroriste. On ne peut pas arracher des enfants à leurs parents. On ne peut pas achever des parents devant leurs enfants. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui quand vous regardez le kibboutz de Kfar Aza. Il n'y a pas d'autre mot.
que de décrire que ce qui s'est passé là-bas est un pogrom. Vous avez des centaines de juifs, tués, assassinés, vous avez des têtes coupées, vous avez des choses horribles, vous avez un vrai massacre. J'ai certains amis qui sont journalistes, qui sont revenus sans voix, en pleurs, ils sont traumatisés à vie. Et hier, vous me disiez, on veut la paix, c'est ce que vous souhaitez. Est-ce que vous pensez que c'est possible dans les prochains jours, dans les prochaines semaines? Je peux vous dire que la paix sera possible à partir du moment où le Hamas ne sera plus sur la table, à partir du moment où les gens avec qui on pourra parler ne seront pas des organisations terroristes. La paix, j'y crois, mais pas avec une organisation comme le Hamas, ni avec une organisation comme le Hezbollah, ni avec une organisation comme le Fatah. Et parlez-moi de Tel Aviv. En ce moment, dans les rues, il n'y a personne. C'est une ville fantôme. Oh, ben, je peux vous dire que ce matin, j'ai fait les dernières courses pour être sûre que dans notre bunker, il ne nous manque de rien. Les seuls magasins qui travaillent commencent à avoir leur étagère qui sont vides. Il a été assez difficile de trouver de l'eau hier soir. Aujourd'hui, certains supermarchés ont été réapprovisionnés. C'est quand même notre troisième ou quatrième sonnerie en une journée. Donc, je peux vous dire que oui, Tel Aviv est totalement vide. On entend les oiseaux, c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais pensé dans une métropole comme Tel Aviv, qui a plusieurs milliers d'habitants. Voilà, oui, malheureusement, Tel Aviv est très, très, très silencieuse, trop silencieuse. Vous dites on n'aurait jamais pensé entendre les oiseaux, mais est-ce que vous auriez pensé vivre quelque chose comme ça, vous, à Tel Aviv? Vous savez, j'ai 34 ans, j'ai déjà vécu une pandémie internationale comme le corona, j'ai déjà vécu plusieurs guerres en Israël, sûrement le début d'une guerre mondiale ici, je ne veux pas penser au futur. Megan Dreyfus, merci d'avoir pris le temps. Soyez prudente. Merci de parler de nous. Merci. Et faites un maximum pour libérer les otages. C'est tout ce qu'on demande. Libérez les otages et faites en sorte que tout ça, ça s'arrête. Faites en sorte que ces terroristes soient punis et ne soient plus jamais en œuvre de défendre quelque chose comme ça. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.